What the fuck? Je suis pas sûre de rentrer vivant. Je pense qu'on va rentrer plus tard que prévu quand même, hein. What the... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit vlog tranquillement. Je me casse en vacances ce week-end à Montpellier. Je vous laisse voir la vue et vous expliquer un petit truc. Tu restes là ou quoi? Je pars avec elle, là. Je te filme, hein. Ah, je croyais que t'allais faire un fuck. Bref, on se casse à Montpellier là. Et je prends pas l'autoroute, je vais vous expliquer pourquoi deux minutes. Tout simplement, je prends pas l'autoroute. Pourquoi l'autoroute? Normalement, je paye 70 euros pour descendre à Montpellier. Pour mettre 3h30, 4h. Ok? Là, on passe par les départementales. Et petite route comme ça. On paye 23 euros. Que l'essence en gros. Et on met 4h30, donc une heure de plus. Pour avoir des paysages comme ça, économiser 50 balles gros. Sur l'autoroute là, c'est tout droit, c'est tout moisi, ça pollue sa mère, ça consomme l'essence et tout. On se fait taxer par l'état, le péage et tout. Et là on est... Oh, il y a un cycliste, regarde gros. Regarde gros, le cycliste, il est trop chaud. Il rase le virage ses genoux, regarde, il touche par terre, il touche par terre. C'est ça, je rigole. Bref, du coup, voilà pourquoi, on prend pas l'autoroute. Et franchement, voir des paysages comme ça, ça fait plaisir à la famille. Tu manges quoi? Rien. C'est quoi encore? Rien. Tu manges tout le temps, Jérémy? Non. C'est pas moi. Ils sont où les gâteaux? Quel gâteau? Tu manges en conduisant, c'est interdit. Elle est interdit ou quoi? Oui. Dans la minute, il y a un virage. Bah, tu hurles le caca, très clairement. Je t'attendais pas celle-là. Oh putain. Self Freeway, c'est une boisson d'excellence. Vidéo non sponsorisée, bien sûr. Le Freeway, c'est la vie.
C'est une nouvelle boisson, je connaissais pas franchement, mais délicieux. C'est noir et gazeux, mais c'est ouais, voilà, mais c'est bien bon. On fait du vélo. Eh oui. Tu sais faire du vélo. Vélo. Tu fais du vélo. Oui. Amigo. Du vélo, amigo. De ouf les rimes, tu devrais faire l'histoire. Oh. Oh. T'as dit quoi? Laisse-moi filmer pour mon vlog. Aïe. T'as dit quoi? J'ai dit elle mérite un pouce bleu cette vue. Du coup mettez des pouces bleus là, putain de merde, ça va compter de la chance ça. C'est un truc de ouf hein. Avec ton pack de bière. Qu'est-ce que Jérémy Sadi fait dans la rue avec un sac de bière? Qui l'a payé? 13 euros. 13 balles. J'avais soif. Bonjour, j'ai soif. Quoi? Bonjour, j'ai soif. Ça te fait rire? Oui. On boira pas. Ah, c'est pour moi, hein. J'en boirai pas? Non. Tu m'attendais de connaître ça? Ouais. Dans tout le monde en plus. C'est bon, les gars, on est le lendemain là. Pour des raisons obscures, on n'a pas pu filmer à Montpellier. Là on se casse les 6h du matin, on se casse à Orange pour faire une petite convention avec des bits tranquilles du coup. On a pris la route en mode pépère. Et puis c'est l'autoroute donc c'est chiant. Bon ça va, on a qu'une heure. Et bah, du coup je filmerai des petites vidéos de convention. Fais sentir ton haleine, je suis sûr qu'elle sent la frite. Fais-leur sentir. Toi qui m'as dit. Je trouve que c'est le moment de bouffer des frites. Ouais. Je trouve que là, t'es pas en train de travailler. Si. Explique que t'as fait tomber une frite et que. Vu que c'était une frite, tu l'as quand même mangée par terre. Bah ouais. Mangée par terre. Non. J'ai pas mis à quatre pattes, je l'ai pas brouté. Hein. Elle est trop chou. Oh. Ok. Et on change. On va sur le du Parma. J'ai quoi pour jouer avec toi, par des clés et des mouchoirs? Non, j'ai rien. Et voilà les gars. C'est la fin des vacances. Vous avez dit, vous filmerez le salon et tout le bordel là. Pour des raisons obscures, je l'ai pas fait. Bon, les raisons plus dures, c'est que j'ai eu la flemme. Non, j'ai eu la flemme, puis pas mal de boulot, du coup, au final, j'ai pas pris le temps. Puis c'est toujours pas encore évident pour moi de filmer comme ça quand il y a plein de gens et tout, c'est le bordel et tout. Voilà, bref. Ça viendra, vous inquiétez pas, je vous filmerai un jour un salon ou des trucs comme ça. Là, il est dimanche soir, 20h, on va rentrer tranquillement, c'est le plaisir. Prendre des vidéos IRL, tout ça. J'ai essayé de faire la couveuse de loi cette semaine-là. Et puis c'est tout. C'est pas moi qui ai fait le montage, c'est ma nouvelle secrétaire. Celle que vous allez entendre dans 2 secondes. Elle se retient de rigoler du coup. Hein.
Tête de troll. Elle se retient encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. J'essaierai de vous filmer plus de choses la prochaine fois que j'en vais être en sous-bois. C'est tout pour moi. Je vais tout pour la vidéo. Peace. Regardez les gars, petit bonus de la vidéo. Ça a grillé mon frère sur la route du retour, là, 22h. Non mais vas-y, raconte. Il est 22h tranquillement, puis je roule, puis je dis putain, la route elle est vachement blanche, c'est bizarre et tout. Puis je roulais, je sais pas, à 70, puis je dis putain, c'est chelou. La route elle est trop jolie, ils ont rajouté du goudron bien noir sur du goudron blanc. Et à un moment, je vois une bosse sur la route, je roule dessus, mais la voiture elle a pas bougé. Et là, je ralentis, je me suis aperçu que c'était des grêlons en fait. Mais au bout de peut-être 2 km là. Mais ça a dû bien grêler. Et moi, tu me dis elle est jolie la route, et je te dis mais elle est surtout défoncée, parce que je croyais que c'était du goudron rajouté quoi. Bah pareil moi. Je me suis dit que ça fait pas de bosse avec ma voiture. Mais j'étais trop content, j'ai trouvé la route trop belle. Ce goudron était trop beau, en fait, non, ça fait du grêlon. Et moi, je voulais à 70 là-dessus. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'était dangereux quoi. Là, je suis à 30 déjà et. Attends, vous qu'à 30 là, mais on glisse en fait. Bah oui, c'est super dangereux là, en fait. Dans des descentes pareilles. Wow. Bon, on vous reprend plus tard si on est toujours en vie. Attends 2 minutes, si on a un accident, ça prend bien plus tactique. Oh, c'est le bordel, les gars. Bon, là, du coup, on est sorti des grêlons et là, en remontant, c'est le gros bordel là sur la route. Un plus fort. Là. C'est le gros bordel là sur la route, c'est un truc de ouf. Du coup, ben voilà, c'est un petit bonus de vidéo là, c'est le début d'un petit peu tranquillement. Ah, tu roules trop vite là. Ah, je roule pas vite. T'as accéléré. J'ai 40. Oh, j'ai 40 km/h là. Mais what the fuck. Je sais pas si on va rentrer vivant. Je pense qu'on va rentrer plus tard que prévu quand même. Hein. What the fuck. Voilà, vous avez vu où on était sur le panneau, si on a une connaissance, c'est un télé ou quoi. Je sais pas ce que c'est votre pays, mais ça pleuvine un peu. Bon les gars, après la grêle, la pluie, le tonnerre, le brouillard. Là c'est n'importe quoi, on n'y voit rien. Là je suis à 20 à l'heure. Regardez ça, regardez, vous avez vu? Non mais vous avez vu? Regarde-moi ça. Regarde. Enfin, on voit rien, on voit autant que vous dans le téléphone. Là, regarde. Hein. Attends, c'est l'orage qui gronde ou c'est la voiture là? Oh, c'est l'orage. Wow. Regarde. Là c'est du n'importe quoi. Hein. On voit même pas. Essaye de mettre le flash. On voit mieux ou quoi? Non. Là c'est du n'importe quoi là. Là on voit plus rien. Là je suis à 27 à l'heure à peu près environ. Hein. Ah, c'est n'importe quoi. Oh mais c'est inondé. Ah, c'est l'enfer, il reste 2 heures de route là. Là il nous reste 2 heures de route dans ces conditions. Il est 22h30 là. C'est de la grêle là. Non. Et si, regarde le pare-brise. Non, non, tu rigoles ou quoi? Non, mais regarde, je rêve. Ah ouais si, il y a de la grêle. Oh, j'avais pas vu là. Oh. Il rigole le mec. Bah j'avais pas vu. T'as du tout fait de filmer là, non? Non, non. Il n'y a plus une flash pourtant. Oh là là. Mais c'est quoi ça? Oh là 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 là.
Là, c'est du n'importe quoi. Non, mais... on va jamais rentrer là. T'as que 20% de batterie là. Ça va, ça s'est calmé. Branche le téléphone s'il te plaît. Ouais, attends, j'arrête de filmer.